Écarté de danger, ça revient avec nouveau centre de Baudouin. Second poteau avec ce ballon remis dans l'axe, la tête de Dias. Et le retour des Lilloises, encore 3-2. C'est que de la confiance parce que c'est des gestes basiques qui sont ratés. Ah, le contre ici de la part de Dias face à Solène Durand. Dias qui va récupérer le ballon devant la gardienne avec Lina Boussa qui peut frapper. Il y avait peut-être de l'espace et qu'il fallait en profiter pour le LOSC avec ce ballon qui va être récupéré peut-être par Dias dans la surface de réparation. Et là, Dias pour la réduction de l'écart du LOSC. À partager cette finale de Coupe de France, ça compte. Ballon pour Oulessar avec Buchanan. Elle est bien rentrée dans cette rencontre, la Canadienne. Corner pour Lille. Oui, c'est bien défendu. Une entorse du poignet ou d'un doigt. Ces extrémités sont extrêmement douloureuses. Elles prennent confiance, les Lilloises, là, dans le dernier quart d'heure de la première période. Poisson appuyer sa tête. Dias face à Vanessa Gilles, elle a conservé le ballon, l'américaine. Et va essayer de lancer Lina Boussa à la course face à Châtelain. Le duel entre les deux joueuses. Karchouni, Châtelain, Dias, en deux temps, c'est bien fait, avec Marina Macanza, retour d'Iné. Donner raison à l'entraîneur de Fleury. Et il est intéressant ce ballon, très intéressant pour Kenza Chapelle. Le crochet, la frappe du pied droit, c'est sublime, mais c'est le poteau pour Kenza Chapelle. Étrangement seul tout de même sur ce long ballon. À l'instant, Anna Dias. Allez, go, allez, go, allez, go, allez, go.